Salut les youtubeurs. Aujourd'hui, on s'intéresse aux experts, à l'expertise. Est-ce qu'il y a besoin d'être un expert pour être crédible sur YouTube? Alors, c'est un petit sujet que je voulais aborder avec vous parce que souvent, quand on veut démarrer une chaîne YouTube, parfois, on a un petit peu le syndrome de l'infériorité où on se dit, ouais, mais il y a des gens qui savent mieux que moi, qui connaissent mieux que moi. Est-ce que je suis vraiment crédible pour ça? Est-ce que je suis vraiment expert dans ce domaine pour prétendre aller devant les autres et parler de ma passion et entre guillemets donner des leçons aux gens ou prétendre leur apprendre des choses. Alors, je suis bien conscient que ça ne correspond pas à tout type de chaîne, mais notamment pour toutes les chaînes informatives, tutos, etc., c'est une question qu'on se pose un jour ou l'autre. Et du coup, je voudrais vous raconter une petite histoire. Vous savez que j'ai une chaîne photo à côté, que j'ai démarré ma première vidéo était à un moment où j'avais mon appareil photo dans sa boîte, je ne l'avais même pas encore sorti, je démarrais du niveau zéro de la photographie. Et après, le concept, si vous voulez, même si ce n'était pas réfléchi comme ça au départ, c'était tout ce que j'apprends, bah, je le partage avec vous. Et puis, même si je dis des conneries, même si je dis des erreurs, bah, on corrige dans les commentaires, on apprend ensemble. Et puis, j'ai discuté quelques temps après avec un autre collègue youtubeur photographe qui lui a démarré à peu près en même temps que moi sa chaîne YouTube, qui faisait des photos depuis quelques temps, mais en amateur, on va dire. Et qui m'a dit, mais quand je me suis lancé sur YouTube, moi j'avais absolument besoin de faire énormément de recherches parce qu'à chaque fois que je faisais une vidéo, bah, je me mettais presque dans la peau du prof. Il fallait que je donne une image professionnelle, il fallait que je montre que je suis expert dans mon domaine. Et donc j'allais vérifier 5 fois, 10 fois toutes les informations pour être sûr que c'était bon. Et voilà, je passais un temps fou en préparation, je faisais des belles vidéos bien calées, etc. Et un jour, je suis tombé sur tes vidéos. Et je me suis dit, mais c'est qui ce petit con qui débarque en mode ouais, salut, bon alors je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'il faut faire, mais si c'est pas sûr, bah, dites-moi dans les commentaires, etc. Et donc il m'a dit, donc c'est Tom, hein, peut-être qu'il se reconnaîtra. Et Tom m'a dit à ce moment-là, mais en fait, après coup, j'y réfléchis et je me suis dit, mais en fait, c'est génial comme concept de dire on apprend ensemble sur YouTube. Et j'avais pas réfléchi comme ça à ce moment-là, pour moi, c'était pas un concept, c'était juste ben, on partage quoi. Mais voilà, ça m'a fait réfléchir un petit peu sur cette dualité-là. Je pense pas qu'il y ait une posture qui soit mieux que l'autre, on trouve un petit peu de tout. Mais pour résumer, je dirais en gros, on est souvent tenté de prendre la posture de l'expert ou du prof, parce que c'est le format qu'on connaît le mieux, en tout cas jusqu'à présent, par la télévision. À la télé, si on va vous inviter sur un plateau ou si vous avez une émission pendant 20 minutes, on va pas prendre le dernier venu ou le premier venu plutôt, on va plutôt aller chercher quelqu'un qui est spécialiste, on va chercher quelqu'un qui est crédible. Et donc cette personne-là va vraiment être bien préparée, d'avoir son discours, etc., de dire les choses, voilà, des vérités qui ont été vérifiées, etc. Et donc quelque part, c'est plutôt un mal qui touche beaucoup de youtubeurs plus âgés, on va dire, des youtubeurs qui vont démarrer peut-être à 30, 40 ans, et puis qui vont démarrer inconsciemment en voulant un petit peu reproduire ce qui se fait à la télévision. Ceci dit, YouTube, on en a déjà parlé entre nous, c'est vraiment le média, moi j'appelle toujours ça le média des copains, c'est-à-dire que c'est comme si vous causiez à vos copains. Et quand vous causez à un de vos copains pour lui donner des conseils sur votre spécialité, vous n'êtes pas en mode prof, hein, j'espère pas, vous n'êtes pas en mode où vous allez dire, bah attends, ta question est intéressante, je reviens dans 2 heures parce que je vais me renseigner, et après vous revenez en disant, alors pour répondre à ta question, il faut d'abord comprendre le concept physique de telle ou telle chose. Donc je vais te rappeler les petits. Enfin voilà, vous parlez pas comme ça, vous dites, bah écoute, moi je pense que pour ton truc, je te conseillerais plutôt ça. Je suis pas complètement sûr, mais à mon avis, ça doit être bon parce qu'il y a d'autres personnes qui disent à peu près la même chose. Enfin, on parle un petit peu bidouille entre guillemets. Et la crédibilité se construit au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous allez donner une fois un premier conseil, puis 2 fois, puis 5 fois, et au bout d'un an, vous allez toujours parler un petit peu la même chose. Votre copain va dire, bah, lui, il s'y connaît en bagnole, il s'y connaît en ordinateur, je sais que je peux lui poser des questions. Et donc, il va commencer à vous faire confiance. Et YouTube fonctionne beaucoup comme ça. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne pense pas qu'il y ait un modèle, mais si vous n'avez pas totalement confiance dans vos capacités, lancez-vous quand même. Je vais donner un autre cas extrême. J'ai vu récemment la chaîne d'un petit jeune qui démarre. Alors il fait des photos, mais surtout il fait de la photo naturaliste, c'est-à-dire qu'il va chercher les animaux. Et donc vous n'êtes peut-être pas tout à fait au courant, mais les photographes animaliers, ils aiment passer des heures dans la nature à essayer d'observer les animaux, surtout pas les déranger, etc. Et donc, il faut repérer les coins où les animaux passent, il faut repérer leur chemin, il faut repérer les horaires auxquels ils sortent, etc. Et donc, lui, ce qui est très très drôle, c'est qu'il démarre sa vidéo, il se filme au smartphone, il n'y a rien d'extraordinaire, et il démarre toujours sa vidéo en disant,
Bon, bah alors, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai trouvé un nouveau coin, je pense qu'il a l'air chouette, j'y suis jamais allé encore, donc on va y aller, puis on va voir s'il y a quelque chose. Et puis, donc on y va avec lui, et puis il est sur les lieux, et puis il commente en direct, et on a vraiment l'impression d'être avec lui, c'est quasiment c'est la télé-réalité, quoi. On est allé avec lui, et on est pris par le truc, et puis il dit, bon là, j'entends des bruits là-bas, je sais pas ce que c'est, si c'est un lapin ou si c'est un cerf. Donc voilà, je veux dire, avec ses commentaires, on sent que... Il connaît pas grand-chose, mais il demande qu'à apprendre. Et à chaque fois, justement, il dit, bah, si vous avez une idée de ce que c'est ce bruit, dites-le moi dans les commentaires. Et du coup, on est à fond dedans et on a envie de l'aider, on a envie d'apprendre avec lui et on s'identifie à lui. C'est surtout ça, on s'identifie à lui, on se dit, mais moi, si demain je vais dans la nature, je vais être comme lui, j'aurai aucune idée de où je suis, etc. Et je trouve que c'est un format qui marche bien sur YouTube. Le format, on apprend ensemble et je partage avec vous, même si bah, je n'ai pas la posture d'un prof qui vient vous faire le cours. Voilà, je trouve que c'est un format qui marche bien. Donc n'hésitez surtout pas à le prendre et à l'assumer complètement. Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'essayer de faire semblant d'être un expert dans quelque chose dans lequel on n'est pas expert. Avouez-le tout de suite et dites, bah écoutez, moi je ne suis pas super pro là-dedans. Tiens, une idée. Attention, pour les youtubeurs gaming qui nous regardent, je sais, a priori, je ne connais pas trop ce domaine, mais je sais quand même que. Il y a énormément de chaînes gaming et que dans le milieu du gaming, en gros, si on teste des jeux, on a intérêt à être plutôt bon, plutôt skillé, je ne sais pas si c'est ça qu'on dit, avoir du skill, être plutôt doué. Pourquoi pas tester des jeux en mode complètement newbie, complètement débutant et dire, bah moi sur ma chaîne, je me mets au jeu de stratégie, mais j'ai jamais joué à un jeu de stratégie, donc bah, on va essayer d'apprendre des trucs ensemble, d'apprendre les bases de la stratégie. C'est un petit peu la même chose que j'ai fait avec la photo. À ce moment-là, il n'y avait que les chaînes photos de photographes professionnels qui commençaient direct par paf, 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 voilà comment ça marche, avec des mots techniques, etc. Et qui avaient un petit peu oublié ce que c'était que d'apprendre, en fait. Et donc, je pense que c'est ça qui a plu sur la chaîne Mon Petit Réflexe, c'est qu'ils voyaient quelqu'un qui apprenait et les gens disaient, bah, je vais apprendre avec lui. Et pourquoi pas faire la même chose sur les jeux vidéo et faire une chaîne, la chaîne du nul, la chaîne du débutant, j'en sais rien, où vous dites, bah, voilà, c'est la première fois que j'ouvre un jeu de FPS. Bah, on va apprendre ensemble. Voilà. Donc ça va pas être le truc, on va apprendre des super skills, mais on va apprendre les bases du jeu. Et surtout, la communauté va être active parce que la communauté va participer pour essayer d'aider les youtubeurs, etc. Bref, je crois que vous avez compris un petit peu l'idée. Et encore une dernière chose, c'est que quand on est expert, on a souvent tendance à s'enfermer dans des schémas. Parce qu'on a pris des habitudes. Si ça fait 15 ans que vous faites de la photo, si ça fait 15 ans que vous jouez à League of Legends, vous avez des habitudes, vous avez des schémas que vous reproduisez tout le temps. Et quelque part, vous avez un petit peu fermé vos écoutilles à l'idée d'apprendre des nouvelles choses. Alors que quand on débute, quand on est complètement passionné, on a envie d'apprendre plein de choses et du coup, on va chercher plein d'infos nouvelles, on teste des trucs et ça crée du contenu super intéressant pour une chaîne. Voilà, cette vidéo, je m'étais dit que le sujet était tout simple, donc ça allait durer 2 minutes 30. Je pense qu'on est parti pour bien trop longtemps, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera un petit peu dans la définition un petit peu de votre chaîne et de votre contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur le coin des youtubeurs. Ciao tout le monde. Un petit pouce et puis une petite cloche si vous voulez être tenu au courant. Notamment, on fera des lives prochainement et pour les lives, c'est bien d'avoir mis la cloche en route. À bientôt. Ciao.